Ah merde, je viens de tuer quelqu'un. Et devant les flics, super. Salutations les murs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre 54e épisode sur Cyberpunk 2077 en compagnie de notre cher V. Alors j'ai dû changer de voiture parce que l'autre au final je l'ai bloqué en essayant d'écraser l'autre malandrin qui était derrière son petit grillage. J'ai une mission, le seigneur donne et reprend, aller au garage automobile des Valentinos. Donc a priori on va continuer de s'occuper du cas des Valentinos, et je pense qu'on va s'occuper encore du cas de tous les cyberpsychos qui traînent et rôdent dans les environs. Sachant que là il y aura un crime signalé par la police, mais on n'a pas le temps. On a rendez-vous à 950 mètres. On va y aller avec notre jolie petite limousine. Elle est plutôt pas mal hein. Ce qui est bizarre, c'est que les jantes ne sont pas identiques devant au milieu, mais bon, c'est pas grave. Bon, ça va pas nous chiffonner plus que ça. On va juste éviter de se faire remarquer en crachant notre voiture. Bon, a priori, il faut que je continue tout droit, donc on va y aller. Je sais pas du tout ce que c'est que cette mission, si c'est une suite logique de ce qu'on a fait dans l'épisode précédent. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, je vous invite à y aller. Je vous invite à aller le voir. Donc quoi qu'il en soit, de toute façon, il faut qu'on se rende sur place, on verra bien. Je sais pas si va falloir se friter. Wallspring, nouvelle zone. Ok, bon, on arrive. On va essayer de faire gaffe de pas se cracher sur la route, merci. Un nouveau crime signalé par la police. Moi, faut que je tourne ici. J'espère qu'on va finir par y arriver. Ça a l'air d'être là. Je vais ralentir. Ouais, ça a l'air d'être là. Je sais pas si c'est avec cette voiture qu'il faut que je me rende. Tu dois t'occuper de lui. Oh, merde. C'est mon tchoum quand même. Ouais, c'est mon tchoum. Ok, on va sortir ici. Attends, en plus je suis trop lourd. Pourtant je suis à... je suis qu'à 492 kg. Je sais pas s'ils veulent que je passe par cette porte là, mais c'est un peu compliqué. Ah, puis une porte de garage à l'arrière là, c'est un peu... c'est un peu space. Ouais, mode amical. Ah, ok, je peux pas ouvrir ici. Serait-ce ça? Non, ça se trouve là, c'est juste un tag des Valentinos. Peut-être prendre l'échelle et passer par le toit. Alors, je suis désolé, j'ai mon chat qui pète une durite derrière. Mais je sais pas pourquoi ils veulent que je vienne là. Je vais essayer de rentrer ouais, par la plaque. Elle est d'ailleurs en face là. Non, c'est le. Quoique là, je peux peut-être mettre en mode amical. Non, ça a pas l'air de vouloir me laisser scanner. Le tatouage là. Enfin, pas le tatouage, mais le graffiti sur le mur. Ouais, mode amical. Comme ça, ça évitera que je me fasse. Ah, il y a peut-être du monde en bas, je vais faire gaffe. Faudra aller voir le truc en face. Et là, j'ai pas les capacités techniques pour passer par ici. Ah, ça promet, messieurs, dames. Va falloir que je trouve un moyen de rentrer. Je sais pas ce qu'ils veulent que je foute ici d'ailleurs, fermé. Ok, dans ce cas on ira tirer. Merde, vous êtes sérieux, il manque 2 points pour aller à. En dehors de la ville. Trouver le SUV. Ok, se trouve, faut que j'aille taper une voiture juste en dessous. Et ça promet. Ça promet parce que la seule autre entrée, elle est là-bas. Ils sont tête de mort. On va se faire un petit plaisir avec le protocole de piratage. BD. Ouais, 7A. 55 BD. Ok, nickel. La boucle est bouclée. Par contre, redémarrage. J'ai peut-être le pingé déjà. Voilà, merci bien.
Ah ouais, vous m'aidez pas du tout, Legion. Je vais pas réussir à me foutre des points, c'est ça le problème. Ouais, même si je me fous un point ici. À quoi? Enfin, je crois que peut-être en haut, il y avait peut-être 12. Ah, mais je crois que je suis à 12 sur 14 maintenant. Ouais, là, je suis à 12 sur 14. Et je crois que là-bas, après, ça va être pareil. Ma capacité technique, là, je suis à 12 sur 19, donc c'est encore moins la peine. Et là, je vais être bloqué à 12 sur 14 aussi. Ah ouais, vous êtes pas sérieux. Non, je peux même pas péter une vitre. Ah, il y a forcément... peut-être un autre moyen, peut-être pas par là. Peut-être en passant sur le côté ici. Algo para lavar con tanto pinche alcohol. ¿Me entiendes, Méndez? Chido. ¡Pendejo! ¡No te lo diré dos veces! Ah, ouais. Pourtant, on était en train de causer tous les deux là. Merde. Tiens. Tu l'as pas volé celle-là. Je crois que je suis mort direct. Ouais, ils sont peut-être deux morts. Ok, je suis ici. C'est vrai que j'ai même pas regardé le niveau de dangerosité. Ah ouais, bah danger très élevé. Voilà, comme ça c'est réglé. Ah, écoutez, on est lancé. On va quand même tenter de le faire. Je sais pas d'ailleurs pour qui serait ce contrat. Journal. Ah, il est pour qui ce contrat? Type récupération, récupérer le véhicule, Militech, un machin. Ah ok, un groupe de nomades a décidé de faire des affaires avec Night City, a acheté des Valentinos, un SUV volé à Militech. Ah, je sais pas s'il faut que j'y aille en mode discret ou pas, bah écoutez j'y retourne. Hein. On va utiliser les murs. Ah, on est de retour dans le secteur. Sauf que cette fois je vais... Attends, je pourrais peut-être même rentrer et les écraser, mais... Il a merdé. Peut-être pouvoir en écraser que deux, quoi. Merde. Ah, dur. C'est mon chum, quand même. Je peux peut-être essayer la porte aussi, là. Hein. Si je descends discrètement. Je vais sauvegarder ici, déjà. Et je vais essayer de prendre la porte. Ok. Petite sauvegarde, c'est faite. Maintenant, faut juste que je tombe pas sur l'autre, là. Je vais peut-être m'alléger au cas où. Ok, je me suis allégé. J'ai refait de la place. Ah, ça, je vais mettre en mode amical. On va sauter par-dessus ici. Ça, je vais le mettre aussi en mode amical. Pour démarrage au protocole de piratage. Ah, j'ai pas trop le choix. 55. Oh putain, vous m'aidez pas, les jeunes. 55. Putain, il n'y a pas BD. Et... Oh, je me suis fait avoir. 55. Ouais, même sur cette ligne-là, je vais me faire avoir aussi. Après BD, 1C. Et 7 ans, pas mieux l'hygiène. Après, si je lui saute dessus. Ok, faut que je rentre. Ah, l'hygiène. Il y a une tourelle là.
Non, je peux pas le pirater. Je vais les buter comme des chiens. Ah ouais, c'est chaud là. Si tu peux éviter de te relever. Jette-moi ça. Ah non, vous déconnez. Ah, faut que j'arrive à récupérer le SUV direct. Ok, bon, tant pis les caméras. Ah, je vais monter direct en haut et je vais leur flinguer les yeux. Non mais d'où tu me vois? Surmenage cinétique, par contre ça m'en a bouffé 10 là. Court-circuit. Effacement de la mémoire. Ah, si je peux pirater ça. Ouais, je suis coincé là. Ah, effacement de la mémoire, il y en a qui sont... Ok, ça c'est fait. Je vais y aller avec le snipe, hein. Ah, loupé. Ah ouais, c'est chaud. Ça m'a direct piqué, quoi. Ah, il faut que je recharge. Ah, ok, tant qu'il monte pas sur le toit, je peux peut-être être tranquille. Ah, merci bien. Ah, peut-être te finir comme ça. Ah, il a repris de la vie, je crois. Putain, il tient encore le choc, hein. Ah bah je crois que là c'est ouvert maintenant. Ah, je vais éviter de tomber par contre. Ah, il est enfermé dans la voiture. Ah, ok les jeunes. Ah ouais, ils sont tous les deux là. Ah, ça pique, ah ça pique, ça pique, c'est tendu là. C'est limite pour moi là. Merci, moi non plus. Voilà. Ah, vite, recharge. Ah, loupé. Ah, il meurt pas. Ah, c'est hallucinant. Ah, ok. Merci bien. Après, si je descends, c'est tendu, là. Et je me cache pas, tiens, regarde.
petite pute. Qui a osé? Je sais pas si je pourrais l'avoir à travers. Ah merci bien. Ça c'est réglé. Ah ben, il en reste pas grand chose. Ouais, merci bien. Après il y a l'autre là-bas. Il avait pas l'air de vouloir se relever. Si je vais pouvoir ouais prendre un ouais, bon la voiture elle est buggée mais bon c'est pas grave. Ça c'est pris, là il y a de l'épique. Ah, me dites pas que je peux pas le prendre. Ouais merci bien. Ok, je crois que je voulais prendre le contrôle de la caméra mais je l'ai rendu folle. Je vais prendre tout ça. Il y aurait d'autres trucs à fouiller dans le secteur. Ouais, ouvrir la porte, merci. Normalement, il n'y a plus personne. Donc ça se trouve, c'est le camtar que je dois récupérer qui est juste là. J'ai quand même looté tout ce qu'il y a dans la zone avant. Il y aurait quelqu'un ici, les jeunes. Ah ouais, caché là. Ok, bon bah écoutez, c'est reparti hein. On va retourner à l'intérieur. Ouais, du cash. On va prendre tout ça. Ouais, merci bien. Ah ouais, je peux pas ouvrir. Et je peux pas péter la porte. J'espère qu'il y a un autre passage. Ok, fit, oh, s'il vous plaît. Ah ouais, merci bien. Ok, l'ordi, je peux. Ah, on va lire ça déjà pour commencer. Voilà. Un C, un C, 55, 7A, 7A, un C. Bon, j'ai pas eu le dernier malheureusement. Il aurait peut-être fallu que je choisisse un autre chemin, mais bon, c'est pas grave. Ah, y aurait-il autre chose à prendre là? Oui. Ok, ça c'est fait. Ah, écoutez, je vais récupérer ce qui traîne dehors. Et on est parti. Ok, mur, j'ai fini de looter tout ce qui traînait. Je suppose que c'est ça, le SAV Militech. Voilà, on va monter dedans et on est cassos. Donc j'ai ouvert la petite porte là. Attendez. Ah ouais, sort. Ouais. Déjà là, il y a du cash. Ce serait dommage de passer à côté. Et il y a plein de trucs à ramasser sur l'étagère. Ah ouais, les jeunes. Et là, il y aura un truc aussi. Voilà, merci bien. Ok, bon, bah écoutez, je suis mis de farfouiller correctement et on est parti. Ok, cette fois, ça a l'air d'être la bonne. Donc, on va remonter dedans et vite partir de là. Non, je veux pas fermer. Putain, si je pète la voiture... Ok, bon, bah, je vais sortir à côté, hein. Putain, je l'ai défoncé, la voiture. Ouais, des munitions, merci. Zone hostile, ouais. Bon, en tant qu'elle roule...
ça va le faire. Donc, 550 mètres. Ok, les murs. On arrive au point de livraison. Bon, le camtar, il est un petit peu en vrac. Il y aurait des nomades ici, en pleine ville. Pourtant, il y a le logo des Valentino, les jeunes. C'est un peu space, ok. Donc là, faut que j'aille dans le garage. Salut, c'est moi. Attends, je descends. Salut, c'est moi qui. Ok, je vais me soigner au cas où ça dégénère un peu. Mais il... Ah ouais, d'accord, il est dehors à l'entrée. Ok, nomade, vous devriez faire vos affaires sur votre territoire. C'est pourquoi la caisse. J'ai demandé ça d'abord, vu que ça n'a aucun impact sur le déroulement de la mission. J'adore ce style corpo. Attends, t'es sérieux? Qui c'est qui garde la frontière? Bah, c'est Militech. Et ben voilà, je te laisse réfléchir. Ok, ils veulent ça pour passer un petit peu à la frontière, vous devriez faire ça. Avec ma famille, on faisait nos affaires sur notre territoire. Tu crois qu'on le sait pas? Ils nous ont pas laissé le choix. Un décaldo. Ah, c'est d'abord, un décaldo. On est venu voir la marchandise. Et après, l'échange, lui, il devait avoir lieu le lendemain. Mais ils nous ont suivis jusqu'à l'endroit où on planquait notre fric. Enfin, bref, j'ai pas envie d'en parler. Bon, ils se sont fait dépouiller, quoi. Merci pour le coup de main. Je file. Ok, à plus. Ouais, ok, les jeunes. C'est sa petite tuture, ça, ou je peux lui prendre? Un décalbo, vas-y, je vais te scanner. Résultat du scan. Aucune affiliation? On rigolait ou quoi? C'est censé être un nomade. Je sais pas si je lui prends sa voiture, si ça fait quelque chose. Ah ouais, on voit à travers... Attendez les jeunes, je veux changer de caméra. Ok, d'accord, le pare-brise, il s'est déplacé. Bon, bah j'aurais gagné une petite voiture. Appeler Brigitte, non. Ah, Sébastien Padre, vas-y, ouais, je réponds. Très beau travail, Murphy. Je savais que je pouvais compter sur toi. Les nomades te sont reconnaissants pour ton aide. Contrat clôturé. Ok, merci, Padre. On va aller par ici. Danger de transmission. Non, j'appellerai Brigitte après. Donc, les véhicules, c'est fait. D'ailleurs, c'est ça aussi que je voulais voir. Non, je vous en parlerai la semaine prochaine. Ça, c'est terminé. Les missions annexes. Parler à Nyx. Je sais pas si ce serait hyper loin. C'est carrément au-dessus. On va voir les autres petites missions qu'il y a dans le coin. Donc là, elle, je peux pas la tuer, ça ne marche pas. Allez se battre avec Arroyo. Écoutez, là, il me reste à neutraliser un Cyber Psycho. Non, attendez, non, c'est pas ça, là. Faut que je les neutralise, mais faut que je m'amuse à les trouver. Vaincre tous les adversaires pour accéder au dernier round. Ouais, bah en fait, faut que j'aille combattre monsieur. Je sais pas si je vais avoir la force de faire ça. Je vais essayer de me promener, de trouver d'autres cyberpsychos dans le coin. Je sais pas si en lookant la map, on aurait un petit truc. Là, par exemple, danger moyen. Neutraliser les criminels et récupérer les preuves. Après, là, il y aurait quoi? Qui sait ce que vous pourriez y trouver? Ouais, il y a pas mal de petites quêtes dans le coin. Acheter le véhicule, non. Je vais commencer par celle-ci, les jeunes. Suivre le job. Des activités qui ne... Les gros titres, des faveurs, des missions simples, rencontres aléatoires, ok. Écoutez, je vais essayer de faire toutes les petites quêtes qu'il y a dans le coin. Comme ça, au moins, on sera tranquille. Donc, je vais faire demi-tour et on va aller se faire celle qui est au-dessus. Et peut-être qu'avec un peu de chance, il y aura un Cyber Psycho. Ok, les murs, on arrive avec notre petite voiture. Oh non, les flics. On arrive avec notre voiture qui est bien nerveuse. Je vais essayer de partir de là et je me suis mis dans un petit cul-de-sac. Ce qui va être fort sympathique. Je vais quand même... Ah non, c'est bon. Sébastien Padre. Cette fois, j'ai besoin que tu rétablisses l'équilibre naturel de cette ville. Ouais. Un Valentino a descendu un flic et échappé à la justice. Ok. Tu peux faire en sorte que ça change. Si tu trouves qui protège ce type, je te donnerai un bonus. Ah merde. Il y en a juste ici.
Tiens, descends de là, s'il te plaît, merci. Ok, je vais peut-être essayer de m'alléger un peu. Ok, mur, je suis toujours un petit peu lourd. Mais on va essayer de s'en sortir. J'ai quand même réussi à... désactiver quelques trucs. Je sais pas ce que je viens de ramasser. Donc, de toute façon, faut que je tue quelqu'un. Trouver Julius. Ouais, je veux bien que tu me scannes ça déjà. Mode amical. Ah, je vais me planquer au cas où quand même. Découvrir pourquoi le NCPD a abandonné l'enquête. T'es sérieuse toi ou quoi? Tiens, merci bien. Confisqué. Pourquoi? Ah ouais, ça picote. Ah ouais, mais j'en ai encore un sur moi, les jeunes. Putain, mais ils veulent me faire un câlin ou quoi? Ah, ok, mur. Ah, je viens de re-écraser quelqu'un. Ah, je vais me planquer par ici. Merci, les jeunes. Ah, je vais peut-être pas aller aussi loin. Je vais me garer ici. On va attendre l'appel de monsieur. Ouais, voilà. Cette fois, j'ai besoin que tu rétablisses l'équilibre naturel de cette ville. Oh putain, va falloir que... Valentino a descendu un flic échappé à la justice. Tu peux faire en sorte que ça change. Si tu trouves qui protège ce... Ah ouais, excuse-moi de t'avoir interrompu. Je te donnerai un bonus. Ok. Détail au PJ. Ok, d'accord. Bon, déjà, je vais... détail machin. On va faire ça comme ça. Donc l'enquête a été abandonnée, on a demandé aux officiers du commissariat local de laisser tomber, les choses ont pris une tournure surprenante, tu ne trouves pas? José doit avoir des amis haut placés, alors je t'explique, un des officiers veut que José soit traduit en justice et c'est là que tu interviens. Si tu découvres qui protège les Valentinos, tu auras droit à un bonus, bonne chance. Donc faut que je trouve un type avec une espèce de plaque à la mâchoire. Y a pas de souci, suivre la mission. Ok, bon, je vais sauvegarder et refaire de la place dans mon inventaire parce que c'est le bordel. Ok, mur, bon, je suis toujours aussi lourd, mais j'ai fait un petit peu de place. Je sais pas qui c'est le type qu'il y a derrière. On me dit de passer par là. Protocole de piratage, messieurs dames. Il me faut du 1 et du 7 après. Hop. BD 7A. Donc BD 7A. Ah, merci bien. Ça c'est fait. Ouais, zone hostile. Je suis en pleine zone hostile. Il y a pas mal de people. Ah là. C'est quoi ça? Ok, il y aura un véhicule à aller voir. Deux choses qui vont pas ensemble. Non, dis-moi. Indice 1, Militech. Indice 2, les Valentinos. Ouais, c'est justement, juste avant, on a chopé une caisse de Militech. Et là, c'est reparti, il y a du Militech dans le coin. Bon, l'autre, il est pas sorti par contre. Je sais pas s'il y aurait d'autres trucs à inspecter. Bon, je ne vois pas, mais par contre, faudrait que j'arrive à aller là-bas. Faudrait que je m'occupe de la personne qui est sur le toit aussi. Et je sais pas si en lui mettant. Vous êtes sérieux quoi? Je sais pas si en faisant ça, j'ai. Ah, c'est la guerre. On va faire péter tout ça. Pourquoi tu me dis par favor si c'est pour me désinguer derrière? Bah, sérieuse elle ou quoi? Ah ouais, elle est en train de cramer. Ah, je vais reprendre ça. Ah, petit... Hop, la loupe. Ah, dis-moi, court-circuit. Hop, merci bien.
crois qu'il y en a un juste ici. Effacement de la mémoire et redémarrage optique. Merci. Ah là, il y aura des trucs à faire péter. Peut-être taper ça là si jamais il y en a un qui est planqué dessus. Toi, je sais pas si je peux te faire un redémarrage optique aussi. Bon, là, j'ai plus rien, mais voilà. Attends, ça fait deux fois que je la loupe quand même. Merci bien. Je vais me planquer par ici. Mode amical, s'il te plaît, merci. Protocole de piratage, c'est pas vraiment le moment de faire ça, mais. BD. Et après, j'ai besoin de BD. BD. BD, Légion. Après, j'ai pas de 7A là. E9. 7A. Et si je prends BD ici plutôt. BD et 7A. Comme ça, j'ai les deux. Voilà, merci bien. On va se concentrer, on va faire gaffe. Ah, je veux bien que tu me pinges tout ça. Je sais pas qui c'est que je viens de shooter. Ah, je l'ai appelé le padré. Je l'ai neutralisé le type. Ah, elle fait mal l'arme. Hein. Merci Panam. Ah, lui il bouge dans tous les sens. Ah, il bouge dans tous les sens. Il veut peut-être que je vienne le voir. Je vais me percher ici au cas où. Par contre, ce qui est chiant, ouais, c'est que je veux pas partir sans avoir fait mon petit truc facultatif là. Ce mec il monte sa tête lui aussi. Il est juste là. J'ai peut-être rechargé avant. Là, on va faire ça comme ça. Ah, vu que je l'ai ciblé une fois avec une balle. Ah, merci bien. J'adore cette arme. Ah, c'est bon. Ah, il est mouru, je vais ramasser tout ça après. Ah, hop. On va peut-être prendre ça. Je sais pas si l'explosion ça va lui faire quelque chose. Moi je vais sauter par ici, je vais essayer de jeter ça par là. Je sais pas s'il pourrait s'en manger une. Oh, ça rebondit bizarre. Ok, on va faire du dégât à incendie. Je vais juste récupérer ça. Oh, c'est le bordel, j'avance tout doucement. Ah, donc là, il est là, le camtar. Est-ce que je peux utiliser ceci? Non, je peux pas, merci bien. Ok. Ce que vous faites est illégal, vous déconnez ou quoi? Faudrait pas que la police se pointe là parce que ça va pas m'aider. Vas-y, crame. Allez, abruti, on y va! Bah, faudrait peut-être pas que je meure maintenant. Sérieux, Mano? Vas-y, monte ta tête. Merci. Ok, piratage. Ça c'est fait. Non, je peux pas ramasser son gun. Ah, ouais, si, merci bien. Donc, faudrait que je finisse d'enquêter. Je sais pas s'il y aurait quelqu'un d'autre. On va aller par ici. On va fouiller tout ça, les sous, on va les prendre, merci, petite rémunération. On va prendre tous les éclats. Là, il y aurait une autre porte, après, je vais aller voir. Donc là, ouais, enquêtons. Ça alors, tiens, soit ils préparent une soirée costumée, soit ils s'équipent pour un autre genre de fête. Ouais. Dans tous les cas, ça m'intrigue.
Ok, monsieur était là. Ah, ok. Ah, faut que je continue d'enquêter par contre. A priori, c'est pas terminé. Réseau local. Peut-être qu'en allant là, ouais, désactiver, merci bien. La prise de contrôle à distance, non. On va sortir. Ah, je vais aller voir derrière, il y a peut-être d'autres trucs qui sont cachés, hein. Peut-être à l'étage. Ok, peut-être par ici. Non, là c'est les toilettes. Il n'y aura rien de plus que une trousse de soins. Et des toilettes pas lavées. Ok, là il n'y a personne d'autre. On va ramasser tout ça. Alors, on va appeler le padre après. On va peut-être voir dans l'ordi s'il n'y a pas un truc. Comme celui-ci. Utiliser. Message. Ok, bon, on a appris. Alors je sais pas pourquoi. José est impatient à des limites. On t'a payé ta caution parce que on avait déjà mis un sur toi. Ouais, argent, mais tu n'es pas intouchable. Si tu déconnes encore, si tu te trouves encore au milieu de fusillades débiles, au lieu de t'apporter notre aide, on te passera une corde autour du cou. Blabla, ouais, ok, d'accord. Du pot de vin, du tout ce que tu veux. Et la possibilité de sortir de prison plus vite ou de pas y aller, quoi. Ok, bah écoutez, je vais finir de fouiller les lieux. Alors, on va peut-être appeler le padre. Le padre, appeler. C'est fait, je me suis occupé de Rosset. Bien joué. Très, très bon boulot. Tu sais qui lui a permis de s'en sortir avant de savoir tuer ce flic. Arasaka. Ah merde. J'ai même pas eu le temps de. De voir. Le meurtre d'un simple flic. Oh putain, merde, j'ai pas vu les propositions. C'est un accident. Ils ont couvert Rosset pour une autre raison. Continue, je t'écoute. Ses potes et lui ont été engagés pour attaquer un complexe d'Arasaka. En utilisant l'équipement de Militech. Attaquer Arasaka. Pour le compte d'Arasaka. Merde. Tu dois vite te tirer de là. Je pourrais rester, c'est d'en savoir plus. Maintenant que je suis là, je pourrais rester un peu. Essayez d'en savoir plus. T'apprendras rien de plus là-bas. Cet endroit est grillé. J'en sais plus que tu sais plus que tu le dis. Allez, raconte. C'est juste une supposition, mais... Accouche. C'est presque sûr qu'Arasaka cherche l'affrontement avec Militech. Peut-être même une guerre ouverte. Et l'attaque de Rosset devait leur servir de prétexte. C'est plutôt mince, non? Attends, excuse-moi, padre, de te couper. On va faire ça comme ça, ce sera plus simple. On va parler d'autres cas semblables. Beaucoup des gens sont impliqués, fait. Ah, pourquoi ils font un chien? Ah merde, non, c'est l'autre que je voulais. Ils sont pas encore remis de la dernière. Bunker est le meilleur des écrans de fumée. Ils ont peut-être besoin de détourner l'attention. Même pas sûr de vouloir le savoir. Et toi, Padre? Pas cette fois-ci, non. Je n'ai aucun pion dans cette affaire. À la prochaine, Fer. Ouais, à la prochaine. Oh, ça pique. Oh, j'ai failli crever, là. Oula, c'était à deux doigts. Ton bonus t'attend où que tu ailles, machin et tout. Ah bah écoutez, moi je vais finir de fouiller les lieux. Et on va aller voir un peu plus loin s'il y a... Ah, il n'y a pas d'autres trucs à gauler. Et je vais pas non plus trop traîner ici a priori. Parce que ça se trouve, ça risque de débouler toutes les deux secondes. Ah, je vais quand même vérifier que là, il n'y avait pas d'autres trucs à prendre à l'étage. Ah si, il y aura un petit truc. Bah écoutez, ouais, j'y vais, on se retrouve après. Putain, je suis lourd comme un bœuf. Je suis pas prêt d'y aller quoi. J'avance à deux tensions. Ok, les murs, j'ai trouvé un petit coffre-fort que j'ai ouvert avec mes maigres compétences techniques. Mais c'est passé. Ah, 2504 $ les jeunes. Enfin, euro-dollars. Magnifique. Magnifique, magnifique. Bah écoutez, je retourne fouiller à la surface.
Ok, mur. Si j'ai fini de fouiller la zone, il faudrait qu'on aille. Récupérer notre petite récompense. Ça pétarade juste à côté. Je vais aller aider les flics quand même avant. On va aller chercher ça après. Ça pétaraderait juste ici. J'espère que je vais pas en manger une mal placée. C'est vrai que là, ils me disent pas que je suis en pleine. En pleine action illégale. J'ai de court-circuiter. Hop, je crois qu'il y en a un autre juste là. Redémarrage optique. Ça c'est fait. La meilleure partie du dia. Ah, merci bien, je veux que tu prennes une petite dose au passage. Je vais le découper là. Je suis touché. La Santa Muerte m'a choisi. Ah, parce que tu te relèves. Ok. Merci l'hygiène. Je sais pas quel objet épique j'ai ramassé, mais j'ai fini l'hygiène. Je range ça tout de suite. Je sais pas si c'est la police qui est en train d'inspecter sur ce que je fais, mais je viens de sauver des petits gens. Tandis que d'autres se sont fait découper malheureusement. Couvrez-moi ! Est-ce qu'il en reste un ? Mais je vais être obligé d'intervenir, l'hygiène. Il est planqué de l'autre côté. Il s'en est mangé une en pleine tête. Merci, chef. Ah bah écoutez, voilà. Une mission rondement menée. Je serais morte. Bah écoute, de rien, ma petite dame. Ça, on va désactiver, merci bien. Ah, donc j'aurais fouillé tous les lieux et toutes ces petites personnes. Je sais pas si je vais recevoir ma récompense, ce serait pas mal. Elle est sympa la voiture. Ah, elle est sympa. Je vous avoue, comparé à celle que j'y avais avant, je vais peut-être plutôt monter dans celle-là maintenant. Ah, merci pour cette nouvelle voiture, la radio s'il vous plaît. Malheureusement, je suis obligé de couper tout ça pour des raisons de droit d'auteur et autres. Il y en a beaucoup des petits trolls là. Je me demande si on n'est pas dans le quartier chic là, parce que ça y va. Ma récompense 150 mètres. Par contre, j'ai eu une info de la police là. Je sais pas si ouais, je vais peut-être éviter de couper sur la place. Je sais pas s'il aurait fallu que j'aille. Ouais, se trouve, faut que j'aille. Faut que j'y pense tout simplement. Faut que j'y son message aussi. Je vois si je peux pas me garer proprement en montant sur le trottoir. Sans écraser personne, ce serait bien. Quitte à me garer ici, ouais, je suis une voiture de luxe. On a le droit de tout se permettre. J'espère que je vais pas passer à travers le plancher. Donc c'est parti. Ah, ils sont sérieux, eux. Ah, court-circuit. Envoyez des renforts. Oh, c'est chaud. Merci. T'es pas mort. Ah ouais, merci bien les jeunes. J'ai dû intervenir, ils allaient agresser des gens. Ah, donc voilà, j'ai pas eu le choix. Ah, ou alors ils allaient me piquer ma récompense. Donc je vais ranger ça. Et ouais, je veux bien lire le message de monsieur d'abord. Donc ouvrir les messages. Ok.
ton bonus. Attends que tu ailles le récupérer. J'ai encore une faveur à te demander. Oublions toute cette histoire, d'accord? Contrat bouclé. Je peux pas répondre, donc bah écoutez, ouais, je peux pas répondre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ok, j'ai oublié toute cette histoire, mais bon, ça sent un peu le roussi. J'ai récupéré un petit point de compétence aussi et d'autres à améliorer derrière. Obtenir la récompense. Combien? Ah, j'espère que c'est pas énorme que j'ai reçu. Bon, c'est des sous que je veux, les jeunes. D'ailleurs, je vais vendre quelques trucs tant que je suis ici. Bah écoutez, de toute façon, on va s'arrêter là. Hein. On reprendra la route la prochaine fois. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et si vous voulez pas louper la suite de nos aventures, eh bien n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela. Sachant qu'on est maintenant 750 petits lémures, enfin du moins vous êtes 750 petits lémures présents sur la chaîne. Je tiens à remercier tous ceux qui sont présents depuis le début et ceux qui nous ont rejoints récemment. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde et surveillez bien. On va quand même attendre de voir s'il va m'afficher mes sous après tous ces trucs qui sont affichés là. Ça continue encore. Il faudra aller d'ailleurs choper des cyber psycho. J'ai vu des crânes sur la map. Il faudra aller voir ça et les interventions policières qui sont demandées. Ah ouais, un petit bonus de 1946 je crois. Donc pas mal de sous. Et si je prends la map, il y a des petits crânes ici. Intervention de la police. Donc avec un peu de chance, il y aura sûrement du cyber psycho. Et des activités qui ne feront pas les gros titres. Petite faveur, mission simple et rencontre aléatoire. Faudra se faire tous ces petits jobs ici dans le coin, sachant qu'il y aurait aussi une intervention ici. Je vais y aller pour le plaisir. Après avoir vendu quelques trucs et m'être déchargé. Sur ce, je vous laisse. Cette fois, c'est la bonne. Ciao, ciao tout le monde et surveillez bien. Excellent! Oh, donc, il me faut simplement quelqu'un. Enlève le doigt. Les doigts. Allez, il me faut une personne, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour. Qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil. Un authentique héros. Vite! Avant de retrouver l'usage de notre cerveau.